tous, bienvenue sur le chantier, on vous fait visiter. Sixième épisode de notre série rénovation, c'est un épisode qui va être un peu différent parce qu'on va vous faire visiter l'état du chantier actuel. Donc Dimitri est juste derrière vous, il va intervenir de temps en temps quand il a des petits commentaires à faire sur les bêtises que je peux éventuellement raconter. Et il est blessé pour le moment, donc le chantier est un peu à l'arrêt à ce niveau-là. Et du coup on va consacrer cet épisode à vraiment vous faire tout visiter. Alors ici vous êtes dans le hall d'entrée, il y a eu pas mal de changements, vous pouvez le voir. Donc le grand miroir qui était ici a disparu, la double porte qui était là a disparu également. Et en enlevant la double porte, on a trouvé ceci. On a trouvé une inscription qui était probablement, qui est sûrement la date de construction de la maison. Ici vous voyez la cage d'escalier qui va rester probablement idem, elle va rester pareille. On va juste la poncer, changer légèrement les couleurs. Et ce mur, le mur de la cave, va être démoli pour être remplacé par une verrière. Je vais vous mettre ici en bas un petit exemplaire de ce à quoi on voudrait arriver. Donc on va casser tout ce mur pour avoir une verrière. Le retour de la cave qui est juste ici va être également vitré. Et donc dans la descente d'escalier qui mène à la cave, on voulait mettre des belles bouteilles de vin. Pour le mur du fond de la cave, tout comme le mur du fond de l'escalier, on voulait mettre un beau mur style briquette en parement, quelque chose d'un peu texturé pour donner du volume. On va dans le bureau par ici. Vous voyez également, il y a eu pas mal de changements. Le sol a été cassé dans toute la maison. Donc là, vous avez la dalle de fondation. On a longuement hésité pour le chauffage par le sol. On s'est renseigné beaucoup. Chauffage par le plafond, chauffage par les murs, chauffage humide, mince. Et on en est arrivé à la conclusion qu'on allait faire un chauffage par le sol traditionnel, ce qui fait qu'on doit remonter le sol. Le seuil de porte. Ouais, non, mais on doit remonter le niveau de sol fini à plus ou moins 15 cm. 14-15 cm du sol actuel que vous voyez. Donc ça modifie pas mal de choses, notamment les linteaux. De porte. Les linteaux de porte qui vont devoir être remontés. Et pour les seuils de porte, on a trouvé une solution avec la société avec qui on a commandé nos châssis pour avoir en fait un espèce de battant fixe, c'est ça? Ouais. Un espèce de battant fixe qui va nous permettre de couler la chape dans ce battant-là et de ne pas remonter forcément toutes les pierres bleues. Donc ici, cette pièce bureau va rester probablement un bureau ou peut-être une salle de jeu ou peut-être un bar. Ah, mais il y a plus de chances que ce soit un bureau parce que la pièce convient vraiment bien à un bureau. La preuve en est ce bloc de prise ici qui est typique quand on a un bureau. Voilà. Et peut-être que par la suite, si on a des enfants, eh bien, ils transformeront cette pièce en salle de jeu. Mais dans un premier temps, ce sera notre bureau. Ou un bar. Ou un bar-bureau. On entre dans le salon, grand salon de 40 mètres carrés qui fait plus ou moins 9 mètres sur 5 mètres, ce qui fait qu'il est très long mais qui donne une impression de détroit. Donc c'est assez compliqué de savoir comment on va l'aménager. On voulait avoir de chaque côté de la cheminée des niches agrandies par rapport à ce qu'elles étaient avant. Donc là on a vraiment de belles niches d'un mètre 10 je pense et qui vont aller jusqu'au plafond. Ça va nous permettre de mettre deux grandes bibliothèques de chaque côté, d'avoir quelque chose de bien symétrique, un peu à l'américaine, ça c'est l'idée. On a longuement hésité pour la télévision. Initialement on voulait la mettre au-dessus de la cheminée mais vous voyez déjà la taille de la cheminée par rapport à moi. On aurait vraiment dû regarder la télévision comme ça. Et comme le plafond va descendre d'une vingtaine de centimètres, eh bien, on va avoir un espace qui va être trop petit pour la télé. Et la télé risque vraiment de prendre tout le mur. Et ça, c'est pas beau. C'est beau quand on a une télévision qui est de taille correcte, centrée au niveau de la cheminée, ce qui ne sera pas notre cas. Donc, la seule solution qu'on ait trouvée est d'utiliser ce mur pour placer la télévision. C'était déjà ce que les anciens propriétaires avaient fait et je comprenais pas trop pourquoi ils avaient mis leur télé là et qu'ils faisaient dos au jardin avec les baies vitrées.
Puis j'ai compris qu'en fait, il n'avait pas d'autre possibilité et qu'il l'avait probablement mis là pour ça. Donc, l'idée est d'avoir une télé cadre, un peu comme les Samsung Frame, vraiment quelque chose de très épuré où on ne dirait pas que c'est une télé épaisse avec tous les câbles qui passent. Et donc de l'avoir là, peut-être même noyée dans un mur de cadres où au final on ne sait pas trop où est la télé et où sont les vrais cadres. Et d'avoir un canapé. Alors là, le problème du canapé, c'est qu'on ne sait pas encore comment il va être disposé. Soit il va y en avoir un qui va être disposé ici et qui va faire dos à la télé, et un autre dans ce sens-ci, ou alors on va inverser le long des baies et puis le retour. Donc disons que si on met le canapé comme ceci avec le retour, c'est idéal pour regarder la télévision. Après, je trouve que ça gâche quand même pas mal la vue. Donc dites-moi si vous trouvez que c'est mieux d'avoir le canapé derrière les baies vitrées qui regardent ce mur-là, ou si c'est mieux d'avoir le canapé de ce côté-ci qui regarde vers le jardin. Et il y aura toujours la possibilité de regarder la télé depuis ce canapé, voire même de mettre deux petits fauteuils ici qui permettraient d'avoir vraiment la belle vue sur la télévision. Sachant qu'il y aura une toile qui descendra du plafond avec un rétroprojecteur pour pouvoir regarder la télé et cinéma le soir. Oui, ça c'est l'option qu'on a envisagée et ce qu'on a prévu. Donc d'avoir vraiment une toile qui descend du plafond et derrière de l'autre côté l'ascenseur qui descend avec le vidéoprojecteur. Comme ça, quand on n'utilise pas ce système-là, tout rentre dans le plafond et ça devient invisible. Ça c'est ce que j'aime. Mais probablement que niveau budget, on va devoir faire quelques choix. Donc ce sera là, mais peut-être pas, enfin c'est prévu, mais peut-être pas tout de suite, ou on verra. On a deux possibilités. Mais dites-moi en commentaire par rapport à l'agencement du canapé, si vous voyez plus le canapé de ce côté-ci qui regarde vers les baies vitrées, ou le canapé du côté des baies vitrées qui regarde vers le mur. Dites-moi en commentaire. Alors, on arrive dans la salle à manger d'une vingtaine de mètres carrés. Vous voyez, on a rebouché l'ancienne porte qui menait à la cuisine pour la déplacer ici et avoir vraiment, comme j'ai expliqué dans l'épisode précédent, une ouverture totale de haut en bas et qui ne donne pas cette impression de passer sous une arcade de nouveau. C'est vraiment, en fait, on ne voulait pas une cuisine ouverte, totalement ouverte, on ne voulait pas, mais on ne voulait pas non plus une cuisine fermée avec une porte ou voilà. On veut quand même qu'il y ait du passage, des va-et-vient venant du salon ou de la salle à manger vers la cuisine. Donc le fait d'ouvrir totalement, ça donne l'impression de pouvoir un peu rentrer comme on veut, et c'est ce qu'on voulait. Le plafond va descendre dans cette pièce d'une vingtaine de centimètres, donc là on est à 2,85 m, c'est quand même relativement haut. On va le descendre d'une vingtaine de centimètres pour passer aussi tout ce qui est câble, tout ce qui est arrivé. Tuyauterie. Voilà, c'est la raison pour laquelle on le descend légèrement et parce que celui du salon est un peu plus bas. Donc on aimerait que tous les plafonds soient à la même hauteur et pas un plus haut, un plus bas. Et en plus, on voulait un joli décaissement dans le plafond et ça va nous permettre justement de créer l'alcôve comme on la veut. Et ce long mur est prévu pour abriter un beau meuble sur mesure, un peu style verrière. Un grand vaisselier en fait, qu'on ne mettra probablement pas tout de suite parce qu'il faut faire des choix. Quand on fait une maison, on explose toujours le budget et donc on se retrouve à devoir faire des choix, ce qui est notre cas. Donc l'objectif final, ce sera ce meuble, mais il ne sera pas là tout de suite. Je vous emmène dans la cuisine, suivez-moi. Attention parce que la cuisine elle est dingue, enfin, pas en l'état, mais elle va être dingue. Tadam! Bienvenue dans la cuisine. La cuisine, c'est nous et pas Schmitt. Cuisine, du coup, qui a été ouverte sur la veranda et qui fait maintenant au total 36 mètres carrés. Donc c'est déjà une très grande cuisine, même si j'avais l'impression qu'elle serait beaucoup trop petite. Au final, c'est quand même une grande cuisine. Alors, pour la veranda, l'idée est de créer une nouvelle véranda. Donc on va garder l'aspect véranda, on va juste boucher cette porte parce qu'on n'a pas besoin d'avoir la vue sur le côté de la maison.
On hésitait à reboucher totalement la véranda, mais c'est vrai qu'en Belgique, il fait souvent sombre. Donc on va garder tous les apports de luminosité au maximum. Alors comme Dorine vous a dit précédemment, nous allons monter un mur à la place de cette porte afin de faire disparaître cette poutre, ce petit muret. Cette petite partie de la toiture aussi va disparaître pour venir du châssis au mur de façade directement avec un grand carreau pour apporter un maximum de luminosité. En fait, on va faire une toiture vitrée. J'explique. On va faire vraiment une toiture vitrée qui part d'ici et qui monte jusque là-haut, du moins plus ou moins. Mais on va vraiment faire une toiture vitrée pour continuer à amener le maximum de luminosité. Et cette poutre-là va partir, mais on souhaiterait quand même la garder. On ne sait pas encore pourquoi, mais on trouve qu'elle a du charme, donc on voudrait la garder. Et ça va vraiment libérer tout l'espace. Comme on a déjà que 2m20 sous cette poutre, ben voilà, ici ça va remonter de nouveau et ça va être vitré. Alors les gars, il faut savoir que j'ai dû combattre pour garder l'accès direct à la piscine. Dorine voulait boucher avec un mur. Alors qu'il y a des solutions d'armoire, que l'on rentre dans l'armoire. Il y a plein de solutions. Dites-moi en commentaire que j'ai eu raison de combattre pour garder cet accès à la piscine. Je ne suis absolument pas d'accord, sachez-le. Donc comme Dimitri vous le disait, le point sur lequel il ne voulait pas faire de concession, c'était de garder son accès à la piscine depuis la maison. Moi personnellement, je m'en fous, je m'en tamponne la nouille royalement, mais lui voulait absolument le garder. Du coup, je trouve pas que ça a sa place dans une cuisine, donc je voulais masquer l'accès. Et à cause du Coco Vivi, nous sommes tous retardés dans nos chantiers, donc on n'est pas encore au point pour l'aménagement de la cuisine. On a seulement eu le premier rendez-vous pour voir un petit peu ce que l'on souhaitait. Mais j'aimerais demander à ce qu'on fasse une armoire, une armoire avec deux portes à l'intérieur, une porte pivot ou deux portes pour traverser l'armoire et rentrer dans la zone vestiaire-piscine. Mais je veux surtout pas avoir une porte à cet endroit-là. Et sachant qu'on va aussi réduire la porte, hein, parce que là elle fait 1m20 je pense. Elle est énorme. Donc juste garder un passage. L'idée dans la véranda est de consacrer cette pièce à la zone dîner. Petit déjeuner. Petit déjeuner, la zone repas en fait, tout simplement, avec une table, des chaises ou des bancs. Et dans cette niche, on n'a pas du tout eu l'idée nous-mêmes, c'est le cuisiniste qui nous a dit « Bien, pourquoi vous ne mettez pas un feu ouvert ?» Ah, pourquoi pas ? Ah, c'est une superbe idée ça. Parce qu'à la base, on était obligé de garder cette niche et on s'était dit, bon, on va faire une armoire encastrée, mais enfin, on ne trouvait pas quelque chose qui était sympa pour cet endroit. Et lui est venu avec l'idée du feu ouvert et franchement, c'est une super bonne idée parce qu'on va avoir notre table pour le repas là. Ce qui fait que si on a un peu froid le soir, hop, on allume un petit feu. Ou si on reçoit des amis de manière moins formelle et qu'on soupe ici, eh bien, on allume le petit feu, c'est très sympa. On n'aura pas, probablement pas les moyens de mettre le feu au gaz parce que ça coûte quand même une petite douille, disons-le clairement. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est mettre un feu à l'éthanol comme on a déjà actuellement à la maison. Ça marche super bien. Bon, c'est pas donné sur du long terme si on l'allume tous les jours pour se chauffer. Mais je veux dire, une fois de temps en temps ou plus comme feu d'ambiance, c'est génial, c'est le top. Donc c'est ce qu'on compte mettre dans cette petite niche. Ici pour le reste de la cuisine, on a donc muré les deux portes pour avoir un long pan de mur, de meubles. Et pour avoir ici ma hotte à l'américaine. Donc je voulais vraiment une hotte qui ressorte. Je voulais pas quelque chose, je voulais pas une cuisine hyper moderne avec des poignées invisibles, pas du tout. Donc je voulais vraiment quelque chose qui avait du cachet, un peu style... farmhouse moderne, quelque chose comme ça. Donc là, on va vraiment avoir un long pan de mur qui, je pense, fait bien 5 mètres, 6 mètres même. Donc voilà, un long pan de mur avec ici un îlot évier et de l'autre côté tous les tabourets ou toutes les chaises. Donc j'aimais beaucoup le fait d'avoir ce côté convivial de l'îlot avec les chaises en face. Mais j'avoue que si c'était pour y souper tous les soirs ou quand on a des enfants, c'est pas très convivial de se parler à chaque fois comme ça.
Donc là, on a vraiment, le cuisiniste a vraiment trouvé l'idée d'avoir l'îlot, mais également d'avoir notre zone repas pour se retrouver le soir. Et ici, c'est plus de manière informelle. Si on se prend un café, si on est seul à manger, on peut manger sur l'îlot. De ce côté-ci, vous avez la buanderie slash cellier. On a abattu le mur et on ne compte pas en refaire un nouveau. En fait, on va juste monter une rangée de meubles de ce côté-ci et également une rangée de meubles de l'autre côté, donc côté buanderie cellier. En fait, les meubles vont être dos à dos et c'est ce qui va créer la séparation entre la cuisine et le cellier buanderie arrière-cuisine qui va être de ce côté-ci. Et c'est ici également qu'on veut une armoire qui permette de passer, une armoire porte en fait. Donc c'est porte pivotante. Ben, soit porte pivotante, soit double porte, c'est deux modèles différents, c'est pas du tout encore. Mais enfin, on aura tous les meubles, on ne verra pas qu'il y a une pièce de l'autre côté. Et c'est juste un des meubles qui s'ouvrira et qui permettra de traverser dans la zone buanderie cellier. Et on a créé également l'accès venant du garage directement dans le cellier buanderie pour ranger les courses, c'est hyper pratique. Et de nouveau, on retraverse et on est déjà dans la cuisine. De ce côté-ci, vous aurez un peu plus toutes les armoires qui concernent la buanderie. Si vous vous souvenez bien, je vous mettrai une petite image en bas. Vous aviez des meubles sur mesure ici avec la descente de linge qui était juste là. D'ailleurs, on voit la trappe qui vient de l'étage juste en haut. En cassant l'armoire, on s'est rendu compte que le conduit était en amiante et donc on pouvait le garder, il n'y avait pas énormément de soucis, mais j'étais un peu stressée à l'idée de savoir que c'était de l'amiante. Et donc on l'a évacué de manière propre et sécurisée, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec de l'amiante, c'est quand même hyper mauvais pour la santé. Donc on l'a enlevé et on va en recréer une, soit en MDF d'après Dimitri, soit un tube en PVC tout simplement qui descend caché dans une armoire d'après moi. Dites-nous ce que vous préférez, l'option tube PVC ou l'option MDF. L'option conduit en MDF. Pas de nouveau avoir des armoires qui vont être faites sur mesure probablement plus tard également parce qu'on va phaser les travaux. On va avoir notre machine à laver ainsi que notre sèche-linge côte à côte à hauteur. Ça, c'est vraiment ce que je voulais depuis le début, plus l'un sur l'autre. Au moins, je trouve que c'est plus simple d'avoir tout à hauteur d'homme. Ici, de ce côté, cette fenêtre va être cassée jusque dans le fond pour la transformer en porte. Et ça nous permettra un accès de la buanderie dans le petit jardinet qui est juste à côté, qui est vraiment minuscule. Ce sera très pratique d'étendre le linge de ce côté-là, de garder la belle vue sur le jardin de l'autre côté. Comme ça, quand on doit faire sécher du linge et qu'il y a des culottes de ce côté-là, ben, tout le monde n'en profite pas. De ce côté-ci, donc en face de la partie qui sera plus buanderie, vous aurez ce qui est plus cellier arrière-cuisine et donc qui sera dos à dos avec la rangée de meubles de la cuisine. Et là, on va faire plus tout ce qui est stockage de courses. On veut quand même mettre un plan de travail pour y mettre tous les robots qui sont souvent tout le temps branchés dans la cuisine et que j'ai pas forcément envie d'avoir dans les pattes dans ma belle cuisine. Donc tout ce qui est Kenwood, le Moulinex pour la soupe, machine le grille-pain, ouais, le presse-orange. En fait, voilà, tout ce qu'on utilise souvent mais qui n'est pas hyper esthétique, on veut le mettre ici à disposition avec un bloc-prise. Comme ça, on n'a qu'à venir ici, on fait ce qu'on a à faire et puis on retourne dans la cuisine. Concernant cette fenêtre dans la cuisine, on a tergiversé beaucoup. Initialement, on l'avait gardée en l'état. On avait déplacé l'ouverture et on avait mis des meubles bas. Et puis finalement, en discutant avec le cuisiniste, il nous a dit non, si vous avez la possibilité de faire une porte-fenêtre dans votre cuisine pour pouvoir sortir directement sur la terrasse quand vous faites un barbecue, quand vous recevez des gens, c'est le pied. Et effectivement, on a réfléchi pas mal. Dans ma maison actuelle, j'ai pas d'accès direct de la cuisine vers la terrasse. Je dois passer par la salle à manger. Et c'est vrai qu'à l'usure, c'est chiant. Donc comme on doit la penser correctement pour les 30-40 prochaines années, autant directement transformer cette fenêtre en porte-fenêtre.
Bref, je parle, et là on est déjà à plus de 20 minutes de vidéo alors qu'on a fait que la moitié de la maison. Donc pour éviter de vous prendre toute votre journée pour faire la visite avec nous, on va diviser l'épisode en deux parties. La suite de la visite est prévue pour la semaine prochaine, même jour, même heure, dimanche 10h. C'était un épisode papote, mais c'est surtout un épisode utile pour vous montrer l'état actuel du chantier et vous expliquer un peu ce que l'on a en tête et ce vers quoi on souhaite aller. On vous pose pas mal de questions pendant cet épisode, la plus grosse question étant de savoir comment placer les canapés et la télévision dans le salon, donc ça nous ferait grandement avancer d'avoir votre avis en commentaire. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. 80% de nos vidéos sont regardées par des gens qui ne sont pas abonnés, c'est pas cool du tout. Alors c'est tout bête, mais ça prend 2 minutes de se créer un petit compte et de s'abonner. Alors si vous avez 2 minutes à perdre, n'hésitez pas à le faire, ça nous ferait super plaisir. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous!